ne se limite pas qu'en termes de paroles. Qui dit compassion, ça va au-delà de paroles, on pose des actes. La compassion va au-delà de paroles. Voilà pourquoi à l'église, lorsque nous avions commencé cette église à Kinshasa, qu'est-ce que nous avions fait? On est allé, on a pris nos Bibles et on cotisait le peu d'argent qu'on avait. On les cotisait, on achetait un peu du savon, un peu du sel, un peu de la nourriture et on prenait notre Bible, on allait, c'est pour ceux qui connaissent un peu Kinshasa, vers Yolo et là-bas, il y a un hôpital des enfants qui souffrent un peu de la maladie. Des enfants anémiques. Oui. On allait là-bas, on allait visiter ces gens-là, on allait prêcher la parole de Dieu, on priait pour eux, et c'est que le paix qu'on avait, on distribuait à ces gens-là. Donc, on a. Notre particularité était quoi? On associait et la parole de Dieu et on mettait notre main là. Dans la poche, pour faire quoi? Pour aider aussi. Bien aimé, lorsque tu regardes, même dans nos églises, tu vas trouver que facilement, un chrétien, un pasteur, peut ouvrir la Bible pour prêcher. Facilement, il peut prier pour toi, mais difficilement, il peut mettre sa main dans la poche pour aider. Tu peux aller voir un pasteur, mes enfants n'ont pas payé le Minerval, il a 100 dollars dans sa poche, mais il va te dire, mets-toi à genoux, ma sœur, je vais t'imposer la main comme ça, que Dieu puisse pourvoir. Mais pourquoi, dans la vie de cet homme, il est capable de prier pour une personne, de réconforter une personne, mais qu'est-ce qui fait qu'il se sent bloqué pour mettre sa main dans la poche, pour aider une personne qui souffre? Tu vois par où, maintenant, la notion de la compassion intervient. On peut servir Dieu, mais si on n'a pas la compassion, il est difficile pour que vous puissiez voir la gloire de Dieu dans ce que vous faites. Donc, servir Dieu, ça passe d'abord par le cœur. Sans le cœur de compassion, on ne pourra jamais servir Dieu efficacement. Et c'est ça que tu vois. Lorsque le même Moïse, qui avait sorti, aidé le peuple d'Israël à sortir de l'Égypte, arrivé à un endroit, le peuple avait soif, et à cause de la pression du peuple, son cœur commençait à tourner. Jusqu'à ce qu'il a commis cette erreur fatale, Dieu lui a dit de parler devant la pierre, lui il a frappé, et l'eau était sortie, Dieu lui a dit, tu n'entreras plus là-bas, ta mission s'arrête ici. Quand est-ce que la mission de Moïse s'était arrêtée? C'est lorsqu'il n'avait plus de compassion pour ce peuple. Il commençait à s'énerver, et son cœur, le mal était rentré. Dieu a dit non. Tu ne peux plus marcher avec moi comme ça. Alors, voilà comment beaucoup de gens croient dans leur tête qu'ils marchent avec Dieu, mais qu'ils ne sont pas avec Dieu. Ils sont en train de servir Dieu sans la compassion, sans l'amour de Dieu dans leur cœur. Alors, à partir de là, on a commencé à organiser des agapés, on a commencé à organiser pas mal d'activités et des séminaires. Donc, actuellement, nous avons une église qui est établie à Kinshasa où les gens sont en train de prier, sont en train de partager la bonne nouvelle, où les gens viennent de partout pour venir nous écouter. Donc, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, 18 ans après, nous sommes toujours sur le terrain en train de prêcher ce message de la compassion, de l'amener partout dans le monde, afin qu'on puisse servir le Seigneur avec cet esprit-là de la compassion dans nos cœurs. Alors, le manque de compassion, tu peux trouver même en église quelqu'un qui prêche bien, mais quand il descend de la chair, il n'a pas de compassion. Il n'a pas de compassion. Tu peux trouver une personne bien-aimée qui peut être un homme de prière. Il prie quand il commence à prier, c'est du matin au soir. Mais pour qu'il puisse mettre sa main dans sa poche et aider une personne qui souffre, c'est tout un problème. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore eu le cœur, hein? Dieu. On veut tous avoir ce qu'il y a dans les mains de Dieu, mais on ne veut pas avoir le cœur de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu as réussi le cœur de Dieu en toi, tout ce qui est dans sa main devient facile. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, bien-aimés, ils ne prient plus. Ils peuvent seulement avoir une pensée dans sa tête. Ils disent, Seigneur, j'ai envie d'avoir une belle voiture. Le lendemain matin, Dieu ouvre une porte. Et la bénédiction est là. Pourquoi? Parce que cette personne a réussi à avoir le cœur de Dieu. Ce cœur d'amour, ce cœur de compassion. Amen. Amen. Alors, quelle est notre mission? Notre
notre mission se résume en quoi, en bref, pour le condenser? Dans cette mission, dans cette pépinière qui est l'Église de la compassion, il y a des hommes qui arrivent, il y a des femmes qui arrivent, il y a des jeunes qui arrivent, il y a des enfants qui arrivent. Donc, cette Église de la compassion a une mission par rapport à chaque personne. Alors, pour les hommes, qu'est-ce que nous, en tant qu'Église de la compassion? Donc, à l'Église de la compassion, on s'occupe de l'encadrement des hommes, de femmes et des enfants et des jeunes aussi. Alors, pour les hommes, on les aide, bien-aimés, à exercer mieux leur rôle en tant que père, en tant que leader. On essaye de leur donner les outils qui vont leur permettre à bien exercer leur rôle comme père, comme homme, comme leader au sein de la famille. Donc, tout celui qui passe par notre église, tout le papa, c'est ça qui fait qu'avec le temps, vous verrez, nous allons commencer à organiser des réunions de papa. Non pas pour manger ensemble sainement, mais pour aussi qu'on puisse nous encadrer à devenir beaucoup plus responsables pour le Seigneur et être responsables dans nos familles aussi. Amen. Donc, on a une mission d'encadrement et de formation par rapport à ces gens-là. Pourquoi? Parce que quand tu es un chrétien, tu as une mission par rapport à l'Église, par rapport à ta famille et par rapport à la société. Donc, quand tu viens, on encadre un chrétien. Donc, c'est pour le rendre aussi utile pour la société aussi. Donc, l'homme, un papa qui vient dans notre Église, c'est un papa qui sera encadré où on va lui donner les outils pour être un bon leader. Alors, pour les femmes, aussi nous avons... le femme. La Bible nous dit la femme est l'aide semblable. Alors nous allons donner aussi les outils à nos mamans pour mieux exercer leur rôle en tant que femme et épouse. Elles-mêmes, nos jeunes sœurs qui arrivent, on leur prépare sur des notions de bonne valeur afin qu'elles soient de femmes qui édifient aussi et qui marchent de succès en succès. Alors pour les jeunes, les jeunes ont des capacités, ils ont des dons. Alors, on les encadre par rapport aux dons qu'ils ont, par rapport aux talents qu'ils ont, par rapport aux grâces qu'ils ont. On les encadre pour qu'ils soient bien-aimés. On les initie à la parole de Dieu, on les initie aussi à la vie de prière. Que ces jeunes-là soient des jeunes leaders qui sont bien préparés. Vous savez, les succès dans la vie, ça ne tombe pas du ciel. Le succès, ça se prépare. Alors, lorsqu'un jeune est préparé depuis sa jeunesse, c'est déjà un leader potentiel. Il sera appelé à réussir. Amen. Alors, ça, c'est ce rôle-là que nous allons deux fois avoir des réunions de jeunes ici, où nous allons encadrer aussi des jeunes, leur donner les outils pour savoir comment éviter de tomber dans le piège du diable dans leur vie. Alors, pour tout le monde, nous avons aussi une mission, et notre mission, c'est d'abord de s'aimer l'amour et la compassion dans nos cœurs. Quand tu entres dans l'église, la compassion, la première des choses qu'on vise, dans l'encadrement qu'on va te donner, c'est d'abord de te bâtir en tant que chrétien. Vous savez, la vie chrétienne, c'est comme une maison, il faut la bâtir. Alors, il y a un chrétien qui vient dans l'église, la compassion, nous le bâtissons. Et nous bâtissons l'amour en lui et nous donnons des outils. Comme ça, nous aurons des séminaires et toutes ces choses-là que nous aurons ici à l'église. Alors, notre vision, nous allons parler un peu de notre vision. Notre vision, les deux éléments clés de l'église, de la vision de l'église, la compassion, sont d'abord, le premier, c'est d'abord le salut des âmes. Dans la mission de l'église, la compassion, dans notre vision, c'est d'abord, le premier élément de notre vision, c'est d'abord le salut des âmes. Donc, tout ce que nous allons faire ici, séminaire, convention, culte, journée d'adoration, ça sera dans le but de le salut des âmes. Donc, on ne va pas se réunir pour autre chose, c'est pour le salut des âmes. Alors, dans le salut des âmes, nous allons les équiper pour devenir des vrais disciples. Parce que Jésus-Christ, dans sa parole, donc lorsqu'il encadrait ses disciples, il ne les a pas envoyés directement dans le champ. Il y a eu des séances d'encadrement. Donc, nous sommes une pépinière, une église qui enseigne, qui encadre et qui équipe
les chrétiens par rapport à cela. Donc, tout ce qui concerne le salut des âmes, nous allons le faire. Nous allons sortir dehors pour aller gagner les âmes dehors. Alors, à part le salut des âmes, c'est aussi, après avoir gagné les âmes, c'est aussi les équiper. Donc ça, c'est la deuxième phase. On gagne d'abord les âmes et ensuite on les équipe. On gagne les âmes dehors, on les amène au Seigneur, on les amène, non pas qu'on les laisse être assis dans l'église, mais on les équipe aussi. On leur donne des outils pour devenir des chrétiens mieux matures et dans la présence de Dieu. Alors ça, c'est ce que nous avons. Alors pour terminer, pasteur Serge nous a parlé de la vision, c'est bien beau. Mais quelle est notre confession de foi? Vous croyez en quoi? L'Église, la compassion, notre confession de foi, nous croyons à l'existence d'un seul Dieu. Amen. Nous croyons à l'existence d'un seul Dieu. La deuxième des choses, nous croyons aussi à la Bible de Genèse jusqu'à à l'Apocalypse. Nous croyons à la Bible de Genèse jusqu'à à l'Apocalypse. Nous croyons donc à l'entièreté de la parole de Dieu. Et nous savons que la parole de Dieu est inspirée de Dieu, est infaillible. Ça, c'est ce que nous entendons. Et nous croyons aussi au baptême du Saint-Esprit. Nous croyons au baptême du Saint-Esprit, comme la Bible le dit dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 4. Nous croyons au baptême du Saint-Esprit que Dieu a envoyé pour le croyant, pour les chrétiens. Et nous croyons aussi au baptême d'eau, par immersion. Donc comment nous nous baptisons? Nous nous baptisons pas comme on voit l'Église catholique, on te met un peu d'eau sur la tête, mais nous, on amène la personne dans les eaux du baptême, on les met dans l'eau et on les sort de là. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que nous croyons aussi? Nous croyons à la guérison divine. Nous, à l'Église de la compassion, nous croyons à la guérison divine de la maladie au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vers la fin, nous croyons aussi à quoi? Nous croyons à la seconde venue de Jésus-Christ, que Jésus-Christ reviendra nous chercher. Nous croyons aussi à ça. Que Jésus-Christ, un jour, il reviendra nous chercher. Voilà pourquoi dans cette église, tout ce que nous allons faire, c'est pour préparer les chrétiens au retour de Jésus et Jésus-Christ. Ça, c'est ce que nous croyons dans cette église. Et à la fin, nous croyons aussi au jugement final. Que à la fin de toute chose, Jésus-Christ va nous juger par rapport au bien ou au mal. Voilà pourquoi nous, ici à l'Église de la Compassion, nous allons te préparer, non pas pour rencontrer Jésus-Christ comme un juge, mais tu vas le rencontrer vers celui qui viendra te récompenser pour le travail que tu as fait dans la mission. Parce qu'il y a deux façons que nous allons rencontrer Jésus. Tu le rencontres soit comme juge, ou tu le rencontres comme celui qui vient récompenser la mission. Et il te reçoit dans la maison, que l'enfant était parti dans le monde, il accomplit sa mission et il te reçoit dans sa félicité. Amen, hein? Alors, voilà pourquoi nous nous activons dans ce sens-là pour essayer de préparer le chrétien. Donc voilà ce que nous, à cela que nous nous croyons. Ici, à l'Église, la compassion, on ne va pas te donner de l'eau pour aller jeter à la maison, on ne va pas donner de fil pour... Non, nous croyons seulement au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et qui est capable de tout faire. Amen. Amen, hein? Amen. Donc voilà à cela que nous croyons. Nous croyons à la vision, nous croyons à des prophéties aussi, nous croyons à toutes ces choses-là, à juste à tout ce qui concerne l'activité du Saint-Esprit. Nous croyons aussi à toutes ces choses-là. Alors, c'est cela qui était notre confession de foi à l'Église, la compassion. Alors, pour terminer, quels seront nos programmes? Ici, dans cette salle que nous avons récit, donc, pour le moment, on va commencer à se réunir chaque dimanche le matin. Ici, nous allons nous réunir chaque matin, donc, de 10h jusqu'à midi.